Et bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo papotage. Et cette fois, c'est encore une fois un classement de selon un personnage avec leurs différentes interprétations. Alors j'avais déjà fait une vidéo ainsi avec les acteurs qui ont incarné Batman au cinéma. Et dans cette vidéo-là, j'avais même fait l'annonce, et c'est cette vidéo-là que maintenant, aujourd'hui, on va classer les acteurs qui ont incarné le Joker au cinéma, bien évidemment. Et nous avons bien évidemment 7 acteurs à classer, bien évidemment, enfin 7, on va dire 5, puisqu'il y a un acteur qui a fait deux versions différentes du Joker. Vous avez très vite compris de qui je parle. Donc, dans ce classement-là, il va sûrement avoir de la mauvaise foi, mais surtout pour le top 2, il y a les top, la première et la deuxième place où là, je sais que là, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer parce que ben, c'est mes goûts, en fait. C'est mes goûts. Mais je vais quand même défendre certaines versions du Joker auxquelles j'apprécie beaucoup, bien évidemment. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Puisque moi, comme je l'ai dit, je suis un grand fan du Joker. La plupart de ses interprétations au cinéma m'ont plu. D'autres, non. Mais il n'y en a qu'un seul qui ne m'a pas vraiment convaincu. De toute façon, je vais tout dire, bien évidemment, dans cette vidéo-là. Donc, on a 5 acteurs du Joker à classer, mais au niveau des versions, on en a 7, bien évidemment, on a 7 versions du Joker à classer. Donc, on va les classer dans cette vidéo-là. Je donne mon classement de qui est pour moi le meilleur Joker, quel est le meilleur acteur qui ait joué le Joker pour moi au cinéma. Donc, on va y aller sans plus attendre, puisqu'on a beaucoup de choses à faire. On va tout d'abord commencer avec la dernière place. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really. Really bad. Dernière place, bien évidemment, il s'agit du Joker de Jared Leto dans le DCU qu'on voit dans le Suicide Squad de James Gunn et dans quelques secondes dans le Snyder Cut. Alors honnêtement, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Vous savez très bien tout ce que j'en pense franchement de ce Joker-là. Je ne l'aime vraiment pas, franchement. Je trouve que c'est honteux de ce qu'ils ont fait avec cette version du Joker. Une version qui est sortie en 2016, je crois. C'est une version qui, pour moi, me fait tellement mal, franchement, c'est une version dont je ne peux pas le pardonner, honnêtement. Je ne peux pas pardonner cette version-là que David Ayers a sorti comme version du Joker. Parce qu'avant lui, on avait eu Jack Nicholson et on avait eu Heath Ledger. Et après, on nous donne ceci, le Joker de Jared Leto, où c'est... On n'a rien à voir avec le clown prince du crime, là, c'est juste un mec hyper baraqué, patron de boîte de nuit avec des tatouages, des chaînes en or. Tu crois vraiment que, pour moi, c'est le Joker, ça? Tu crois vraiment que c'est le Joker à tes yeux? Et pour moi, bah pas du tout, non. Non, moi, je vois pas le Joker, je vois juste Justin Bieber en Joker. Et pour moi, ce Joker-là, c'est franchement le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie, bien évidemment. C'est le Joker le plus dégueulasse. Pour moi, c'est pas le Joker, honnêtement. C'est pas le Joker. Comme j'ai dit, c'est un ersatz de Justin Bieber en Joker, franchement. Je ne vois pas le Joker là-dedans, donc c'est franchement décevant. Pourtant, les recherches que Jared Leto avait fait pour entrer dans le personnage me plaisaient. Genre, il a étudié la violence, il a... il a été revoir certains patients dans un asile, il a été enfermé dans une cellule de prison pour rester à fond dans son personnage. Là, il y avait des choses, en fait, il y avait quelque chose d'assez bien, mais au final, on a eu le résultat qu'on a eu, donc à savoir un Joker complètement idiot, j'ai envie de dire. C'est un Joker dont, personnellement, tout le monde s'en bat les couilles, franchement, tout le monde chie sur cette version-là, bien évidemment. Bref, dernière place, le Joker de Jared Leto, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sixième place, un Joker dont... les gens n'apprécient pas vraiment, mais comparé à celui de Jared Leto, il est un petit peu mieux quand même. Je vais pas dire 20 fois mieux, il est un petit peu mieux. En sixième place, j'ai mis... Come my comic co-horse and crime. Le Joker de César Romero dans la série Batman des années 60. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis lui au-dessus de Jared Leto? Tout simplement parce que même si cette version-là du Joker est relou, même si c'est chiant et tout ça, même qu'il est un peu trop kitsch, un peu trop con, pour moi, c'est quand même le Joker, en fait. C'est-à-dire que c'est un clown qui fait des blagues et qui rigole quand même de manière correcte. Malgré que c'est un rire qui fait un peu mal aux oreilles. Contrairement à Jared Leto, où lui, il rit comme un âne, le Joker de César Romero, pour moi, il représente un petit peu le côté clownesque du Joker. Donc c'est pour ça que, malgré que c'est un mal vieilli, bien évidemment, et que c'est un Joker assez bouffon ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même le Joker côté clown. Donc voilà pourquoi je le considère meilleur que Jared Leto, bien évidemment. Même si j'ai mis en 6ème place, ça reste pas non plus un des meilleurs Jokers quand tu regardes tout le reste.
Pour moi, César Romero, certes, il représente un peu le côté clownesque du Joker, contrairement à Jared Leto, mais c'est pas non plus un Joker assez mémorable. C'est-à-dire que c'est un Joker où il est pas à fond dans les gadgets théâtrales ou quoi que ce soit. Genre, la plupart des gadgets qu'il a, c'est quoi? Il y a quand même la fleur et la main électrique, mais il y avait quand même quoi? Il y avait une ceinture identique à Batman, il y avait un Tokiwoki Hot Dog et tout ça. Il y avait des trucs où je me dis, faut pas trop abuser non plus. On se croirait chez. T'as l'impression que le Joker là, c'est Inspecteur Gadget en fait. Lui, il a tout. Il a tout en fait. Il a tout. Mais bon, bref, le Joker de César Romero, pour parler encore un petit peu là-dessus, je dirais que c'est pas. Il représente un peu le côté clownesque du Joker, mais ça reste pas le meilleur Joker de ce classement, bien évidemment. Quand tu vois au niveau jeu d'acteur et tout ça, c'est un petit peu un côté comédien de la muerte, on va dire ça comme ça, bien évidemment. Parce que César Romero avait fait beaucoup de personnages latinos avant qu'il obtienne le rôle du Joker, bien évidemment. Mais bon, bref, le Joker de Jared Leto, qu'est-ce que je raconte? Le Joker de César Romero, pardon, il est un peu mieux à mon sens que celui de Jared Leto. Jared Leto, franchement, c'est pas le Joker pour ma part. Alors que là, César Romero représente un peu le Joker des comics de l'âge de bronze, je crois qu'on dit ça comme ça, ou l'âge d'or, dans l'âge d'or, quoi, dans l'âge d'or, voilà. Bref, voilà, donc César Romero en sixième place, ça reste là, bien évidemment. C'est sa place habituelle pour de bon. Maintenant, cinquième place, un des Jokers dont la plupart des gens adorent, mais c'est à partir de sa dernière apparition, de son dernier look, que beaucoup de gens ont eu un petit peu du mal. En cinquième place, j'ai mis. The man you saw when you closed your eyes. I want to be the star of the show! Donc en cinquième place, donc c'est Cameron Monaghan qui incarne cette fois Jeremiah Valeska. Donc c'est un peu le frère jumeau de Jérôme de la série Gotham. Alors certains vont me dire qu'au quoi il est surcoté ces deux versions du Joker. Ben, pas pour moi. Pour moi, je le trouve assez convaincant, honnêtement. Cameron Monaghan joue assez bien le Joker, bien évidemment. Enfin, entre guillemets, les deux versions du Joker, puisque Jeremiah, lui, contrairement à Jérôme, il était beaucoup plus calme et beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intelligent et tout ça. Alors que Jérôme, lui, il faisait un petit peu à la va-vite et tout ça. Mais bien évidemment, Jérémia, je l'ai mis en cinquième place parce que il y a un côté Joker qui me plaît là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une obsession pour Bruce et tout ça, pour clairement représenter le côté que le Joker est obsédé par Batman. Ça, j'avais beaucoup apprécié cette petite chose, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'au niveau apparence et tout ça, ça reste vraiment à désirer et tout ça. Il rigole pas souvent, il fait pas beaucoup de blagues ou quoi que ce soit, il fait pas de moments hilarants et tout ça, contrairement à Jérôme, où lui, il y avait beaucoup plus de côté hilarant. Mais bien évidemment aussi, ce qui déçoit la plupart des gens, c'est dans le dernier épisode de la saison 5 de Gotham, où on le voit pour la toute dernière fois avec son look officiel de Joker. Et certes, le look n'a pas convaincu certaines personnes, même moi au départ, j'avais un petit peu du mal, pourquoi on avait couleur du Joker et tout ça, mais que. Il y a la peau toute blanche, très peu de cheveux et un petit sourire ainsi, on voyait quasi rien. Mais ça, c'est normal, c'est parce que les connards chez Warner Bros. Ne voulaient pas que la série Gotham utilise le nom du Joker, bien évidemment. Alors que tous les autres méchants ont eu droit à leur propre nom, mais pas le Joker. Le Joker, lui, n'a pas le droit. Je sais pas pourquoi. Et donc, au moins, au départ, ça m'avait déçu qu'au quoi, en fait, Jeremiah, c'était lui le Joker officiel, alors que Jérôme, pour moi, avait toutes les qualités pour être un bon Joker. Mais au final, c'est Jeremiah qui est devenu le Joker, et au départ, j'avais un petit peu du mal. Mais après, en revoyant la série, je me rends compte qu'en fait, Jeremiah est à mon sens mieux que Jared Leto et César Romero, bien évidemment. Parce que sur ce personnage-là, on voit qu'il y a quand même une intelligence ou quoi que ce soit. Il essaie de montrer que lui et Bruce ne font qu'un et tout ça. Donc ça représente vraiment le petit côté pourquoi le Joker a une obsession pour Batman. Ça me plaît pourquoi le Joker de chez. Enfin, pas le Joker. Ça me plaît pourquoi Jeremiah, qui au départ m'avait déçu quand c'était le Joker. Mais qui a quand même eu le courage de taper au plus profond chez Bruce, en fait. Quand tu regardes, notamment pour la saison 5, quand tu regardes, bien évidemment, Bruce était vraiment à deux doigts de le tuer. Mais au final, il ne voulait pas. Il s'est dit qu'au quoi ce n'est pas ce qu'il veut. Bien évidemment, il a refait pareil avec Jérôme, hein, mais bon, avec Jérémy, il l'a fait. Et puis après, on a le droit avec la séquence, la cuve d'acide, chez Ace Chemicals, donc ça fait vraiment. Ça fait vraiment référence à Killing Joke. C'est vrai qu'avec Jeremy, il y avait beaucoup de références à Killing Joke. Ça, je dois bien le reconnaître. Mais bon, bref, j'ai à peu près tout dit. Jeremy Valeska, pour moi, il est en cinquième place parce que il y a eu très peu d'apparitions et c'est vrai qu'il est moins
charismatique que Jérôme, selon moi, pour ma part. Malgré que je défends quand même Jérémy Valeska, parce que certains se prennent une vague, ce personnage se prend une vague de haine et tout ça. Mais moi, je défends ce personnage-là. Et Jérôme aussi. Je défends ces deux versions du Joker de la série Gotham, bien évidemment. Ensuite, quatrième place. Un Joker dont il était très connu au départ grâce à la sortie de ce film-là. Et beaucoup de gens le considèrent comme le roi des interprétations du Joker, bien évidemment. Ça l'a rendu très populaire pendant un bon bout de temps, même encore actuellement. Donc, en quatrième place, j'ai mis... Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Quatrième place, donc, le Joker de Jack Nicholson, qu'on voyait dans le Batman de Tim Burton, sorti en 1989. Et ça reste... Comme vous l'avez bien vu à partir du top 4, là on est que dans des Jokers que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Et Jack Nicholson y en fait partie. Et je dois dire que la première fois que j'ai vu le Batman de Tim Burton, le Joker de Jack Nicholson, il m'a... Je l'avais jamais dit, mais il m'avait un petit peu terrorisé par moments. Et puis quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, le Batman de Tim Burton, je me dis, Jack Nicholson a un jeu d'acteur incroyable. Tu sens qu'il est à fond dans le personnage. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, le personnage du Joker... C'est quasiment ça qui est respecté en fait. Le faire un Joker clownesque qui veut se venger un peu de tout, qui veut semer le chaos en ville et faire en sorte à ce que Batman sort pour l'affronter ou quoi que ce soit. On a un Joker aussi qui est très théâtral, qui aime beaucoup le divertissement. La preuve, quand il va dans le musée sur une musique de Prince et qu'il se met à peindre tous les tableaux, tu vois que c'est un Joker qui est beaucoup dans la mise en scène en fait. Un Joker qui est beaucoup dans la mise en scène, c'est le point le plus important pour ma part. Un Joker qui... un côté théâtral qui veut du divertissement, qui veut attirer l'attention. Ça, c'est ce que, pour moi, j'avais repéré chez le Joker de Jack Nicholson. Et pour moi, je trouve que c'est très beau de ce qu'ils ont fait, honnêtement. Je suis très fier, franchement, de ce que Tim Burton a fait avec le Joker. Bien évidemment, c'est grâce à ce film-là que le film Batman a été très connu, en fait. C'était pas grâce, de ce que je me suis renseigné, c'était pas avec Michael Keaton au départ, non. C'était quand ils ont annoncé que Jack Nicholson allait jouer le rôle du clown. Beaucoup de gens avaient hâte pour voir le film et beaucoup de gens ont toujours dit que Jack Nicholson reste un des meilleurs Jokers. Pour certains, je comprends. Je peux comprendre que c'est un très bon Joker, en effet. Après, là, ce que je peux reprocher avec ce Joker-là, c'est que là, on a fait en sorte à ce que le Joker soit le meurtrier des parents de Bruce Wayne. Alors, dans le film, ça passe ou quoi que ce soit, mais si tu compares avec tous les autres Jokers, c'est vrai que ben, certains aiment bien, mais... certains n'apprécient pas vraiment. En fait, les gens préfèrent que le Joker soit un inconnu, en fait. Et dans ce film-là, c'est pas le cas, en fait. Le Joker n'est pas inconnu, puisque au tout départ, il avait un nom, c'était Jack Napier. Alors que pour ma part, moi, je vois le Joker comme un inconnu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité au départ, en fait. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas qui il est, tu sais pas ce qu'il faisait ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'avait déçu au départ avec ce Joker-là. Parce que le Joker est censé être un inconnu, alors que là, on avait un nom et tout ça, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Donc c'est pour ça qu'un petit peu, en revoyant tous les autres, Jack Nicholson est descendu un petit peu dans mon classement. Mais ça reste pas moins un très bon Joker, au contraire. Bien évidemment, ça reste un très bon Joker, le Joker de Jack Nicholson. Regardez le Batman de Tim Burton. Vous verrez qu'au quoi c'est un des Jokers que je trouve assez charismatique. Franchement, Jack Nicholson est charismatique dans le rôle du Joker, personnellement. Tout le monde viendra me le dire, bien évidemment. Hein. Même la plupart des gens qui sont venus me commenter sur ma première critique geek, où c'était le Batman de Tim Burton, beaucoup de gens disent qu'au quoi le Joker, c'est celui qui sauve un petit peu le film, en fait. Et c'est celui qui a à peu près le rôle principal, puisque Batman est dans l'ombre. Ça, j'avais déjà expliqué qu'au quoi le fait que Batman est dans l'ombre, c'est à peu près logique. Parce que Batman, son truc, c'est être discret, c'est de se cacher dans l'ombre. Alors que là, le Joker, il est quasiment en premier plan. Pour moi, c'est parfait, honnêtement. Et avec ça, tu peux voir la carrure, la charismatique du Joker. Et c'est ce qu'on a vu, bien évidemment. Donc, le Joker de Jack Nicholson, en quatrième place, c'est une très belle position pour ma part. Maintenant, troisième place, un Joker dont, au départ, certes, les gens n'avaient pas aimé au départ, parce que il faisait trop gamin et tout ça. Mais à partir que j'avais commencé la série Gotham ou quoi que ce soit, plus en avançant des saisons, cette version-là est restée pendant un bon bout de temps ma version du Joker préférée. Mais j'ai quand même voulu redescendre un petit peu parce qu'il faut pas trop déconner un petit peu. En troisième place, j'ai mis... What do you say, Bruce? Wanna have some fun before the main event? Troisième place, on revient avec Cameron Monaghan et cette fois, c'est avec Jérôme Valeska. Et là, bordel de merde, quel charisme il a ce personnage, franchement.
la première fois qu'il apparaît, c'est franchement charismatique, quoi. Coco, il passe du gars qui pleure de la mort de sa mère à un taré qui sourit, qui rigole et qui assume ce qu'il a fait et qu'il est fier de l'avoir fait. Dans la première saison, on le voit dès une scène d'interrogatoire, une scène très culte, bien évidemment, et que là, tu pouvais déjà voir le charisme du personnage ainsi que l'interprétation de l'acteur, franchement. Franchement, Cameron Monaghan, il a fait un super bon boulot dans le rôle de Jérôme. On voit que lui, c'est un peu comme Jack Nicholson, en fait. C'est-à-dire qu'il s'y connaît au personnage, c'est comme s'il était greffé dans sa peau, en fait. C'est-à-dire qu'il a le personnage en lui, en fait. Pour moi, Cameron Monaghan, quand il est en Jérôme, je le trouve franchement charismatique. Jérôme, il a longtemps été mon Joker préféré, honnêtement. Même s'il n'a pas l'apparence du Joker ou quoi que ce soit, à part certains traits à partir de la saison 3 et saison 4. Mais il n'y a peut-être pas les couleurs, mais il y a quand même le comportement, un petit peu. Le côté carnavalesque, le côté maniaque, psychopathe, ça m'avait plu, en fait. Notamment à la saison 3, quand il revient après s'être fait tuer dans la saison 2, quand il agrafe son visage et tout façon Joker de New 52, un look dont j'apprécie beaucoup. Et puis à la saison 4, où il a son visage qui était complètement réattaché, que ça lui affiche un sourire dans la saison 4, là, bordel, il est charismatique, franchement, charismatique. On voit que c'est un danger et tout ça, on voit que c'est un vrai criminel, c'est un psychopathe, c'est un anarchiste. Franchement, ce Joker-là, il est incroyable, franchement. C'est pour ça que Jérôme reste un de mes Jokers préférés. Certes, certains ne l'apprécient pas beaucoup, il y en a certains qui ne l'aiment pas du tout. Mais pour moi, coup de cœur pour ma part, coup de cœur. Jérôme reste un de mes Jokers préférés, bien évidemment. Jérôme, j'ai un gros coup de cœur pour lui, bien évidemment. Que ce soit au niveau des meurtres ou quoi que ce soit. Même avec lui, il balance des blagues, il balance des blagues, des petites punchlines assez marrantes. Et il y a par moments où j'ai rigolé face à la plupart des répliques qu'il dit. Parce que là, franchement, j'ai envie de dire, là, ils ont à peu près compris de ce que le Joker doit être pour les yeux des gens. Enfin, pas tous. Mais pour moi, comment Jérôme est représenté, au niveau maniaque, tout ça, un petit peu taré et tout ça, anarchiste, psychopathe et tout ça, pour moi, c'est ce qui fait la force du Joker, pour ma part. C'est ce que moi... C'est comment moi j'imagine ma version du Joker, en fait. Pour moi, Cameron Monaghan en tant que Jérôme Valeska, c'est 3e place, bien évidemment. Et bien évidemment, je considère Jérôme meilleur que Jeremiah. Voilà. Je préfère Jérôme Valeska et je pense que tout le monde va me suivre, bien évidemment. Donc, Jérôme Valeska en 3e place, c'est une très belle note. Maintenant, on va arriver sur les deux derniers qui... Je vais pas vous mentir, c'était difficile. Hein, parce que c'est deux versions du Joker que j'apprécie beaucoup. En plus, c'est les deux films... où il y a eu un succès de malade, franchement, c'est les deux films de super-héros, enfin, un qui n'était pas super-héros, c'était un qui était psychologique, l'autre c'était un film de super-héros, c'est deux films qui ont connu un énorme succès, notamment grâce à ces deux acteurs qui ont incarné le Joker. Et vous savez très bien de qui je parle, les deux derniers Jokers, bien évidemment, les deux plus grandes légendes du cinéma, notamment pour le Joker. Mais bon, j'avais pas le choix, donc je vais poser mes couilles sur la table. En deuxième place, j'ai mis... Et ouais, deuxième place, j'ai mis le Joker et Heath Ledger dans le film The Dark Knight. Là, je sais, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer par tout le monde, mais bon. Attendez juste que j'ai fini de parler, bien évidemment. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont me marquer en commentaire comment tu peux le mettre deuxième, c'est censé être le meilleur Joker ou quoi que ce soit. Juste, laissez-moi terminer. Alors certes, le Joker d'Heath Ledger est pour moi excellent, franchement. C'est un des Jokers les plus spectaculaires dans le film The Dark Knight. Même quand tu revois le film et que tu le connais par cœur, parce que c'est le cas, je le revois même si je connais le film par cœur. Le Joker de Heath Ledger a tout le temps un charisme de fou. J'aime bien Coco le fait, il n'a pas de background, il explique différentes versions de son histoire, enfin de ses origines. Au niveau de ses cicatrices, Coco il a fait ça pour sa femme... Ou alors, que c'est son père qui lui a fait ça. J'aime bien le fait qu'au quoi le Joker, il connaît même pas son passé et tout ça. Et que là, il bute les gens pour son plaisir. Il bute les gens pour son plaisir ou quoi que ce soit. Mais que là, il a un objectif quand même, c'est un peu de semer le chaos. Mais qu'il veut surtout voir le monde brûler et aussi basculer Harvey Dent dans la folie. Après, je n'ai rien contre, mais évidemment. Le Joker, comment il est représenté en mode, c'est un terroriste, c'est un anarchiste. Ça, c'est puissant, je trouve. Le Joker d'Heath Ledger, je le trouve puissant. Dans chaque séquence de The Dark Knight, le Joker, il a quand même à la fois une prestance, mais il a aussi une puissance chez ce personnage. Putain, je sais plus parler.
Quand tu vois différentes séquences, que ce soit la réunion dans la cuisine, que ce soit la scène d'interrogatoire avec Batman, que ce soit quand il discute avec Rachel à la soirée de Bruce Wayne, tu regardes n'importe quelle séquence avec ce Joker-là, je sais pas, mais je le trouve assez maniaque, il est puissant dans ce qu'il fait, il est beaucoup plus franc, honnête et tout ça, avec des répliques qui tuent à mort. Franchement, c'est un des Jokers que franchement j'apprécie beaucoup, je l'apprécie énormément. Ça a toujours été un moment mon Joker préféré, juste avant que la série Gotham arrive, bien évidemment. Je considère même Heath Ledger meilleur que Jack Nicholson, même si j'aimais les deux versions. Mais je l'ai mis deuxième. Je sais, j'ai mis Heath Ledger deuxième. Et vous avez très vite compris, si vous précédez par élimination, lequel j'ai mis premier, bien évidemment. Et j'en avais déjà parlé en guise de critique geek, pourquoi c'est un de mes films préférés de tout genre actuellement. Je parle bien évidemment de le légendaire Joaquin Phoenix dans le film Joker de Todd Phillips. Franchement, ce film-là, il m'a époustouflé, franchement, je l'ai trouvé impressionnant au départ. Au départ, j'étais contre quoi, on allait faire une sorte d'origine du Joker en expliquant qu'il avait un nom, il avait une vie avant, mais que plus tu avances dans le film, plus tu avances dans le film, et tu te rends compte qu'en fait, son nom de civil qui est Arthur Fleck, en fait, c'est même pas son vrai nom en fait, ça veut dire qu'on sait pas qui il est ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le genre de chute qui me plaît en fait. Qu'on t'explique le nom d'un personnage, mais que plus tu avances dans le film, et plus tu te rends compte qu'en fait, c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom, et ça, c'est un coup de génie que Todd Phillips a fait. Et aussi, c'est que le Joker, certes, on lui a fait en mode humain et tout ça, j'ai rien contre, honnêtement, j'ai rien contre. Mais c'est juste que le Joker de Joaquin Phoenix, par moments, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à lui. Même moi, je m'identifie à ce Joker-là. Parce que même, il n'est pas dans le délire gadget, genre clownesque ou quoi que ce soit, ni en mode terroriste façon Heath Ledger. Mais ce Joker-là, certes, il ne vise pas principalement à faire brûler Gotham. Là, c'est plus une espèce de vendetta personnelle, je suis entièrement d'accord. Mais je sais pas, soit c'est le scénario qui m'a plu, soit c'est le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui m'avait beaucoup plu, honnêtement. On voit que Joaquin Phoenix, peu importe ses films, il est à fond dans son personnage-là. Surtout dans ce film-là, le film Joker. Je le trouve vraiment puissant. Il dégage quelque chose, honnêtement. T'as envie d'avoir un petit peu de sympathie pour lui. Et puis, il y a certaines séquences qui restent cultes, bien évidemment. La séquence quand il fait son espèce de one-man show dans un bar et qu'il ne peut pas, n'y arrive pas parce qu'il a un rire. Et ça m'avait aussi plu. Et ça me plaît toujours. Pourquoi ? Il ne rigole pas parce qu'il voit de l'horreur ou quoi que ce soit, il rigole parce qu'il a une maladie. Et c'est une fois qu'il a un déclic, que genre il explose, il est explosé dans la folie, que là il rigole et là il a lâché sa folie en fait. Il a lâché sa folie et il est libre d'être qui il veut en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, le Joker pour moi est assez bien représenté personnellement. Certes, ça fait humain ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, le Joker de Joaquin Phoenix, ça reste toujours un des Jokers qui m'a le plus bluffé actuellement. Malgré que les autres, au départ, m'ont aussi bluffé quand même. Hein. Mais Joaquin Phoenix, il y a à la fois la carrure et une puissance au niveau de cette version du personnage. Autre scène aussi qui est marquante, c'est sa scène de danse dans les escaliers. Ou encore ses aveux sur le plateau de Murray Franklin. Il y a beaucoup de séquences qui fait qu'au quoi c'est un film culte et que Joaquin Phoenix reste pour certaines personnes, le meilleur Joker. Après, c'est vrai que c'est la guéguerre pour savoir qui est le meilleur entre Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Moi, comme je l'ai dit, j'ai juste classé quand je vois. Mais dans l'ensemble des Jokers que j'ai cités, tout le monde est très bon. Bon, comme je l'ai dit, César Romero, c'est mitigé. Et Jared Leto, hop, il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste. C'est à partir du top 5 que là, je me dis, là, on a quand même des bons Jokers, bien évidemment. Alors voilà, donc, je sais que certains vont m'en vouloir, mais Joaquin Phoenix, je le mets premier. Parce que ce film est épique, la musique est épique, on s'attarde sur le personnage et tout ça. On le rend de manière beaucoup plus cruelle, un peu froid et tout ça. Ça me plaît bien évidemment. Donc le Joker de Joaquin Phoenix est premier et ça reste là.
Bref, j'espère que ce classement des Jokers vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Big Smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut. On a tous un Joker en nous. Je pensais que c'était moi, mais c'est ce monde qui devient fou. J'avais peur d'être différent, peut-être que j'avais la trouille. Je me suis jamais senti aussi seul que dans la foule. On a tous un Joker en nous. Je pensais que c'était moi, mais c'est ce monde qui devient fou.